Merci Patricia pour l'introduction. Alors, c'est une revue qui a été publiée ici au mois de mai 2022. Medline et MBS, et ils ont trouvé 31 études qu'ils ont sélectionnées qui parlaient de la prévalence de l'amyloïdose cardiaque avec un intérêt particulier pour la prévalence, la distribution homme-femme et l'âge dans différentes situations cliniques. Il y a 6 études rétrospectives, 21 prospectives et 4 séries d'autopsies. Le premier groupe d'études s'est intéressé à des patients qui avaient eu des scintigraphies osseuses pour des raisons non cardiaques. Il y a 5 études. Et dans cette population générale, la prévalence de l'amyloïdose cardiaque est d'à peu près 1%. Ce sont des grands nombres de patients. Vous voyez ici plusieurs milliers de patients, 9 à 10 000 patients. Mais on a peu d'informations sur le sexe et peu d'informations sur l'âge médian. Et on n'a pas d'informations sur le type d'amyloïdose AL ou ATTR. Le second groupe d'études concernait des patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ils ont retrouvé 6 études. Alors, il y a un premier groupe d'études où les patients avaient non seulement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, mais aussi une hypertrophie ventriculaire gauche. Et là, la prévalence va de 6 à 15 %. Et l'âge médian des patients est entre 66 et 77 ans. Ils ont aussi inclus un groupe de patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où là, on n'avait pas une épaisseur ventriculaire gauche supérieure à 12 mm. Et là, vous voyez que la prévalence de l'amyloïdose cardiaque est de 5 %. Alors, dans ces études d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a eu une caractérisation du type d'amyloïdose, parfois par histologie, parfois avec une IRM cardiaque et également des dosages de protéines dans le sang pour la recherche de l'amyloïdose AL. Et vous voyez ici que dans l'autre étude avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a 40 % des patients qui ont une amyloïdose cardiaque AL. Dans les autres groupes, c'est 0 % ou 20 %. Alors, il y a eu une étude qui a inclus des patients afro-américains de plus de 60 ans avec défibrillateur, avec insuffisance cardiaque et une épaisseur ventriculaire gauche au-delà de 12 mm. Et vous voyez, on n'a pas d'informations ici sur le nombre de sujets, sur l'âge des patients, mais ici, on rapporte une prévalence d'amyloïdose cardiaque de 99 % sans information complémentaire sur le type d'amyloïdose. Un autre groupe d'études s'est intéressé à des patients qui avaient été opérés pour un canal carpien. 3 études. Là, la prévalence va tourner aux alentours de 7 %, mais on remarque que chez des patients masculins qui étaient opérés d'un canal carpien bilatéral, donc ici c'est 100 % d'hommes, 73 % d'âge médian, la prévalence est de 4 %, et ici c'est 100 % d'amyloïdose ATTR. Dans les 2 autres études, vous voyez qu'on a aussi des patients avec une amyloïdose cardiaque AL. Alors, un avant-dernier groupe. 7 études de patients avec une sténose aortique serrée, soit opérée, soit référée pour un remplacement par voie percutanée. Et là, la prévalence moyenne est aux alentours de 8 %. Ce sont des plus petits nombres de patients inclus, entre 100 et 400 patients. Une étude, il y aura 100 % des patients avec amyloïdose cardiaque ATTR, confirmée à l'histologie. Cette autre étude ici aussi, c'est 100 % des patients avec amyloïdose ATTR. Et une autre étude où il y aura un petit pourcentage de patients avec une amyloïdose AL. Alors, dans la série d'autopsies, vous voyez que la 4 études, la prévalence monte à 21 %, mais regardez l'âge des patients qui ont ces autopsies, plus de 90 ans dans cette première étude, plus de 80, plus de 85, plus de 86 ans d'âge moyen. Et ici, dans la première étude d'autopsie, c'est 100 % des patients qui ont une amyloïdose cardiaque ATTR. Dans les autres études, ici, c'est 50 % ATTR et 50 % AL. Et donc, si on s'intéresse un petit peu plus aux études avec des scintigraphies osseuses à visée non cardiologique au départ, ici, on a repris 3 études. Et en fait, dans les 3 études, on voit que la prévalence a tendance à augmenter avec l'âge dans ces 3 études et que la prévalence est chaque fois plus élevée chez les hommes en bleu que chez les femmes en rouge, avec une prévalence plus importante dans cette étude-ci de presque 7 000 patients.
Et quand on regarde dans les populations de sténose aortique, le pourcentage de patients avec une amyloïdose cardiaque confirmée à la scintigraphie de façon non invasive, c'est également chaque fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Et donc, en conclusion de cette revue de la littérature, il conclut que l'âge moyen des patients avec amyloïdose cardiaque varie entre 74 et 90 ans, que le pourcentage d'hommes varie entre 50 et 100%, que dans la majeure partie des cas, c'est une amyloïdose cardiaque ATTR, mais qu'il ne faut pas oublier l'amyloïdose AL qui peut atteindre jusqu'à 18%. Et ils ont fait une belle figure illustrative. Vous voyez que dans la population générale, au-delà de 80 ans, on va tourner avec une prévalence aux alentours de 1% chez l'homme, 0,4% chez la femme. Une population non sélectionnée d'individus âgés, c'est 21% à l'autopsie. Dans la sténose aortique, 8%, avec un âge moyen de 84 ans. Je ne vous ai pas montré l'étude avec la cardiopathie hypertrophique, mais là, c'est 7%. Syndrome du canal carpien, c'est 7%. Il y avait aussi un petit groupe avec des troubles de la conduction, c'est 2%. Et dans l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection préservée, c'est 12%. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Anne-Catherine pour cette présentation avec un petit peu de difficulté pour capter. La prévalence est donc bien étayée par toutes ces études. Est-ce qu'il y a des éléments par rapport à la raison, à une hypothèse en tout cas pour expliquer pourquoi les hommes sont plus touchés que les femmes? Non, dans l'article, ils sont vraiment très, très descriptifs en fait. Ils n'émettent pas d'hypothèse homme-femme du tout, du tout. Je suppose qu'il y a des raisons, et ça, mes collègues ici présents peuvent peut-être répondre à ma place, pourquoi c'est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Salut, est-ce que tu peux être sur le Zoom? Alors, je suis désolé, on a pas mal de problèmes de son. Je pense qu'il y a encore un retour de son qui est actif sur la plateforme. Je voulais juste poser une question à Anne-Catherine. Là, dans l'étude, là, on a vu là, la partie sur les études autopsiques. Non, oui, avec une prévalence relativement élevée, qui est un peu. Dis-moi, est-ce que tu entends un écho, toi, on voit pour les autres. Pour les autres catégories de patients, est-ce qu'il y avait une explication? Parce que même quand on regardait le taux d'amylose là, dans les scintigraphies, dans les plus de 80 ans, on n'avait pas les taux de 20% que l'on voyait dans les études autopsiques. Est-ce que c'était des populations qui étaient quand même un peu différentes? Est-ce que l'autopsie était faite parce que finalement, il y avait quand même une certaine suspicion et que c'était une population un peu sélectionnée? Oui, dans la discussion, ils évoquent ça, hein. Probablement qu'effectivement, dans la série autopsique, certains sont morts parce qu'ils avaient une amyloïdose. Dans certaines de ces publications, ils rapportent que les décès ont l'air d'être liés à l'amyloïdose. Certains cœurs, apparemment, à l'autopsie, avaient une infiltration massive. Maintenant, l'âge de la population des séries autopsiques est vraiment très, très élevé, au moins 10 ans de plus que les séries de scintigraphie. Et là, scintigraphie, dans l'article, ils disent que ben, c'est probablement plus le reflet de ce qu'on a de la population générale tout venant qu'on peut rencontrer, en fait. Et est-ce que à partir du moment où on connaît un petit peu maintenant la prévalence dans les différentes cohortes là, que vous avez présentées, est-ce qu'on a une idée de la prévalence globale, finalement, de l'amyloïdose dans les patients que l'on voit tous les jours dans nos services de cardiologie, là, que ce soit dans les cliniques d'arythmie, les cliniques d'insuffisance cardiaque, le laboratoire d'échocardiographie, cardiologie structurelle. Est-ce qu'on pourrait estimer à peu près la prévalence réelle de la maladie, d'une maladie que finalement on a pendant très longtemps sous-estimée? Mais c'est pour ça que je trouvais intéressant dans l'article de pointer que dans les séries insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, si on s'intéresse au sous-groupe de ceux qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche, là on monte à
presque 15% de patients chez qui on va avoir une amyloïdose cardiaque. Et par contre, si on prend l'insuffisant cardiaque à fonction préservée, peut-être où on a moins ces signes d'HVG, on tombe à 5%. Et donc, effectivement, chez c'est les fameux signes rouges qu'on nous décrit toujours, hein, l'HVG, les troubles de conduction, le canal carpien, on doit vraiment avoir notre attention attirée par ça. Et alors, quand on cherche chez ces patients-là, on va la trouver. Enfin, je ne sais pas quelle est votre impression en clinique, mais quand on a ces signaux rouges, on a l'impression qu'on trouve dans 100% des cas ou à peu près, non? Et alors, je dirais oui et non, c'est-à-dire que je ne sais pas comment mes collègues le voient, mais ici au Canada, il y a eu effectivement un engouement là, pour la recherche d'amyloïdose. Puis, les gens font beaucoup de demandes de scintigraphie, mais finalement, il y a eu aussi beaucoup de scintigraphies qui sont revenues négatives, et il y a eu un petit peu de perte d'entrain à dépister la maladie. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on a identifié un certain nombre de red flags, là, mais on manque encore d'outils peut-être pour présélectionner certaines populations de patients à dépister pour que la rentabilité du dépistage soit un peu meilleure, alors même si on a accès quand même facilement à la scinti, ça reste assez lourd pour les patients, assez compliqué à organiser. Donc, on est encore dans la recherche d'évaluation dans ces populations à risque des façons les plus efficaces de les dépister pour ne pas dépister tout le monde et se retrouver avec beaucoup d'examens inutiles. Je ne sais pas si on a encore des questions dans le forum de discussion. Maintenant, nous, ici à Saint-Luc, on a passé 120 patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, tout venant. On a fait des IRM systématiques dans le cadre d'un projet de recherche. Et c'est vrai qu'on n'a eu que 4 patients où on avait une cardiopathie infiltrative compatible avec une amyloïdose et où on a confirmé le diagnostic d'amyloïdose après. Maintenant, on avait peut-être le biais que si on pensait qu'il y avait déjà une amyloïdose au départ, on avait exclu ces patients pour notre cohorte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, nous, on est une prévalence un peu plus basse que ce qui est rapporté dans la littérature. Juste pour terminer, est-ce que la prévalence dans la population générale est évoquée dans le papier ? Mais alors, ils disent qu'ils se fieraient à la population de la littérature sur base des scintigraphies, en fait. Et ils disent que ça, c'est pour eux ce qui semble être le reflet de la population générale. Maintenant, je crois qu'on verra aussi dans l'article suivant que la scintigraphie n'est pas toujours 100% de résultats parfaits. Donc, eux, ils disent plutôt bas. Ils disent qu'on a peut-être tendance à surestimer un petit peu la prévalence. Est-ce que ça reste une maladie rare ou pas, en fait Je crois que nous, on a un biais comme cardiologue, en fait, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est rare, mais si on prend toute la population générale, oui, je pense que ça reste une maladie rare. Un des éléments qu'on voit aussi, en tout cas en Amérique du Nord, c'est que la proportion d'amyloïdose à transthyrétine sur les formes héréditaires par rapport aux formes sauvages est très différente, par exemple, au Canada de ce qu'on trouve aux États-Unis. Du fait de la population afro-américaine, là, c'est sûr qu'eux vont trouver beaucoup plus de formes héréditaires que nous. Là, je pense qu'ils sont parfois jusqu'à 30% de formes héréditaires, alors qu'au Canada, là, si on a moins de 10%, plus souvent 5%, quelle que soit la province, de forme héréditaire, c'est déjà entre guillemets beaucoup. Donc, pour nous, il y a aussi un grand enjeu du type de population qui sont dans nos secteurs.